Oh,
Bon Olivier, nouvelle auto, nouvelle monture, l'Alpina 110 RGT, comment se passe l'apprentissage? Ben, pas mal parce que j'ai la chance d'avoir un super professeur qui est Laurent, un pédier à côté de moi. Donc voilà, c'est le top des tops. C'est la première fois que je roule avec cette voiture sur le mouillé. Et voilà, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a corrigé pas mal d'erreurs. Maintenant à moi de faire le reste, mais c'est top. D'accord, quelles sont les prévisions, les prochains objectifs avec cette auto? Bah moi mon objectif, j'en ai qu'un, c'est me faire plaisir en toute sécurité. Donc c'est pas par hasard que Laurent il soit à côté de moi, c'est qu'il m'apprend, il me corrige mes mauvais gestes et tout ce que je ne sais pas sur le pilotage. Et ça va me permettre, je pense, d'aller plus vite qu'auparavant en prenant moins de risques, donc en étant en toute sécurité. Après j'ai pas d'objectif, compétitif, je veux me faire plaisir avec cette auto qui est pour moi magique. Sur les rallyes, que je vais choisir et non faire ni un championnat ni pour l'instant et puis peut-être jamais. Je vais me faire plaisir. Voilà, tu as conduit une Porsche RGT, là tu es en Alpine. Quelle est la meilleure auto que tu aies conduite à ce jour? J'ai le droit de répondre. Celle-ci, hein, l'Alpine, il n'y a pas photo. D'accord, et super, merci.